Carrie Toto, hein. Carrie Toto. Ouais. Toto. Ah, on te carrie poisson rouge aujourd'hui. Ah. Hein, dans un petit plaisir créole. Hein. Dis-moi, tu te mettre dedans parce que de moins, tu ne comprends pas mon pays. On m'a dit comme tout le monde, mais... Vas-y, comme tout le monde. Donc, on m'a dit oignon. On va mettre le thym tout de suite après. Ensuite, là-dedans, on lave l'ail, gingembre et piment. Voilà. Et de ça, là, pour mettre. De ça, fini. On finit de mettre de ça, là, avec aussi, hein. Ouais. On l'a vu comme ça, de mon édit. Dit Toto, il cause pas mon père, il cause doucement, en plus. Non, il a toujours été timide depuis longtemps. Toujours été. Et là, ça fronde. Là, on a eu son couleur, hein. On connaît ça, oui. On connaît. Daniel, là, tu es là-bas, ton plume coque. Voilà. Et là, déjà, tout de suite, là, il a son couleur. On m'appelle de feu, par contre, il force un petit peu. Ouais, force un petit peu. Ah, là, Toto, il est rapide, hein. Mais pour le temps, une caméra, Toto, il vide la tomate dedans. Hein, la tomate, hein. Donc, ça, c'est la sauce créole. Sauce créole, ah oui. Non, mais... toute créole qui est fait la sauce créole. Oui. Ah, pas toutes. Pas toutes. Ah bon? Ouais. Mais normalement, celui de la créole, celui qui sait faire une sauce créole. Oui, normalement, la base, c'est tout le monde est pareil. Après, on a le petit coup de main, le petit secret. Là, on a vu Toto, la pointe secret. Non, non, non. Là, on avait un secret là-dedans. Tout le monde, il fait ça. Tout le monde. C'est même du créole. Le manger créole, là. Tout le créole, il fait. Tout le créole, il fait. Ah, oui, le manger créole, il fait pour faire créole. D'accord. Le carré poisson, ça n'a pas trop compliqué. Non. Donc, de l'huile, des oignons. Le thym, l'ail, gingembre, safran, et puis tomate. De sel. De sel. Ouais. Et pas de point de poivre dedans, hein. Non. Mettre pas de poivre. Non, mais par contre, si on en a de monument pas piment. Ouais. Ben, on va juste un petit peu de poivre. Ouais, ouais. Mais là, comme on a piment, on n'a pas de poivre, hein. Elle est bonne, là. Ok, alors, hein. Ben, elle est bonne. Mais c'est bien de prendre, là. Hein? Le poisson, c'est fini, l'eau. C'est où là, nettoyer le poisson? On connaît encore. Dans un poisson, c'est la base, c'est nettoyage. Oui. On connaît, il faut que quand on prend l'hilin, là, puis le sang caillé. Ah, le sang caillé, ça, il faut enlever. Ça va, là-bas. Là, comme ça, on nettoie l'île, on enlève toutes les salles, et bien, on enlève tout ça. Ouais. Et après, comme on les connaît, quand on voit l'île dans là, ça, il faut enlever. C'est après qu'on fait cuire l'île, là. Il a un goût aéré. Il a un petit goût. Sur côté que l'île n'est pas très très frais parce qu'il reste quelques temps dans le congélateur au congélateur. Voilà. Hein, donc il veut dire que le sang a eu le temps de congeler. Voilà. Hein, donc il faut bien enlever ça. C'est ça qui donne le mauvais goût après au carré poisson. Voilà, hein. Mais si on enlève ça, on n'a pas de problème. Il y avait des épices. Voilà. Là, j'y suis aussi la rejoindre à nous. Ah, mais comment ça va? Ça va très bien. Dans un petit plaisir créole comme d'habitude. Ben oui. Aujourd'hui, c'est un petit carré poisson rouge. Ah, mais c'est très bien. Voilà, doucement, tranquillement pour que tout le monde puisse comprendre comment il fait un carré poisson rouge. Il n'est pas compliqué quand même, l'a dit. Hein. Et Dominique Alcala Austral, depuis des années, là, il connaît comment il fait. Ben oui. Voilà, hein. Mais chacun a son petit astuce. Ben oui. Ouais. C'est le coup de main. Voilà. Ah oui, pareil, il ne cuisine pas du tout quand même. Non. On a trop de monde, on a tout à cuisine. Non, mais là, en apprentissage. Là, en apprentissage, alors. En apprentissage. Ben, les bons, alors. Mais après, mon tour va arriver. Le tour va arriver. Ben, les bons, nous attendons le tour. Nous sommes patients, nous. Oui. Nous connaissons attendre. Ben, d'accord. As-tu la patience guérit comme ça? La gale. Ah, les bons, alors, d'accord. Voilà. Ok. Et après, il faut laisser bien cuire la tomate tout au hein. Toujours. Ouais. La sauce, elle est bien cuite, bon. Hein. Après, parce qu'il ne faut pas que le tomate cuit en même temps que le poisson. Hein. Non. Faut pas. D'accord. Le poisson, ça n'a fait cuire vite, même pas 10 minutes. Ouais. Donc, ça a fait ça très vite. Et ça, 5 minutes, tout le monde, il fait... Donc, il n'est pas difficile. Hein. Ouais. Et pas comme si la paix a raté carré bichique. Bichette le plus délicat. Plus délicat. Ouais. Après, tout le monde fait ça. Ben ouais, la semaine dernière, on avait bichette, là, on a poisson rouge. Ben voilà. Let's go. Nous, déjà, on a la bonne bouche. On a la bonne bouche, ouais, mais on voit ça. Et là, on met le poisson, hein. Ouais. Dès que les épices sont bien cuits, là, on l'a gagné dedans. Après, on prend un coup, là, hein. Là, on mélange bien. Là, on mélange bien. Là, on peut y aller avec la cuillère, là, hein. Après, comment on a dit la dernière fois, au trap, vous êtes? Non, vous n'êtes pas. Si, on a dit au trap ou dans le cheval. Vous êtes dans le par cheval. Vous mettez de côté. Boudin, vous passez dans la bouche? Ben. Sac. Avant de boire un coup. Vous venez à cheval. C'est là, doucement. Vous venez à cheval. Vous pouvez aller. Regarde, tu as toujours un cheval en poisson. Voilà, ça se croit en poisson. Regarde la couleur, comme est jolie. Toi, dis-moi avant Boudin, parce que le Boudin est plus noir. Ah, il ne va pas te faire noir, mais t'es mort, moi. Ah, aussi, là, Toto. Là, ensuite, là, on laisse salir à terre là comme ça. Voilà. Et puis là, on tourne dessus. Non. On secoue. Hein? Voilà. Bon, il va voir un instant comment il fait pour secouer un petit peu. C'est bon? Ouais. Ok, alors.
Dans l'orchestre Maloya. Quoi? Mais il les noirs comme ça. L'orchestre Maloya là. On est dans la caillou, vous êtes? Caripasson coupe pas, hein? Moi, je n'ai jamais couvert un caripasson. Après, dans le monde, comme Midia ou la cuisine, là, tout le monde fait son manière. Là-dedans, personne ne connaît mieux qu'un autre. C'est des copies que nous faisons. C'est pareil qu'un ribichic aussi, coupe pas. Oui, voilà. Après, sinon, on a la vapeur qui monte et qui colle contre la paroi de le couvercle, bah, mettant en haut, et qui redescend dedans, et donc qui fait de l'eau dans le caripoisson après. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de caripoisson. À qui de feu, il faut mettre fort, moyen. Ah, de feu les faibles, là, Toto, hein? Moyen, là, hein? La moyenne, parce que le marmite est gros, le marmite est un petit peu petit, il met un petit feu très très fin. Mais ça, c'est pas pareil, un pas de cochon, elle laisse cuire longtemps, ça, hein? À petit feu, hein? Ah, d'accord. Ça, un instant, il cuit, ça, hein? Ah, après ça, 10 minutes, t'as fini. 10 minutes, hein? 10 minutes, t'as fini. 10 minutes. Pas ça, Pierre. Pas. Dans l'orchestre, c'est Mascarignas, longtemps. Ah bon? Un gros Mascarignas. Mais ouais, on roule ça bien, ouais. Ah, bien, camarade. On va mener le camion maximalé. Ah bon, David, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Wani Luke? Ça va. Mais ça prend Saint-Philippe, ça, non? Ça prend Saint-Philippe, ça? Dans des grèves. Dans des grèves, ça prend mieux. Saint-Joseph? Il a mis un peu la vanille. Là où arrose, parce que. Il faut arroser que oignons verts, ça hein? Ouais, mais pas que tomillis dedans, bien sûr. Non, c'est une lavée, mais... Lavée, mal appris. Mais n'est pas grave. Ouais. Hein, pas grave. Mais il faut dire que nous pouvons mettre cotomillis avec les oignons verts et marier bien ensemble. Oui. Mais jamais PSI dedans, hein? Non. Jamais PSI. PSI, c'est fait poissiver, ça, hein? Ouais. Voilà. Vous avez mis que les affaires, hein? Ludo, vous l'avez mis que les affaires, hein? Ouais, PSI, s'y veut. On y apprend des choses. Cotomillis, poisson rouge, hein? Cotomillis pour poisson rouge. Avec les oignons verts, ils passent partout, hein? Ils passent dans le de carré comme tomate. Carré, ben. Elle passe partout, hein? Voilà, voilà, ah, voilà. Très, hein? Joli. Très joli. Ah. Sac à riz poisson. Donc un bon carré poisson, un de riz ou gaïmong, et un petit salade sur le côté. Tout en carême. Un petit peu le grain. Un petit peu d'haricots rouges. Avec. Et là, ou carré poisson. Voilà. Et c'est votre chéri? Voilà. Alors, Julie, on arrive à la fin, non? Ben oui, j'arrive à la fin. Hein. Voilà. Ouais, la fin? Mais à la fin, il m'y arrive à la fin, donc voilà, c'est super. D'accord, carré poisson rouge alors, hein? C'est bon? J'ai un bon carré poisson rouge, expressément fait pour le plaisir créole. Le petit? Le petit. Petit plaisir créole. Nous sommes dans le petit plaisir, nous ne sommes pas dans le grand. Dans le petit, là, le petit plaisir créole. Production créole. Production créole. Créole, il produit, mais... Non, créole production, c'est la société qui gère l'Austral. Voilà. Voilà. Oui, hein. Totalement. 3C, ouais. Il fait partie aussi le produit. Le 3C, créole. C'est 15 créoles construction. Ah, mais il y a beaucoup de questions. Non, dans toutes mes sociétés, on a créole. Oui. On a bien-être créole. Donc, aussi. Claude, on a beaucoup de propos questions ce matin. Et 3C, la demande est beaucoup. Le 3C, quel C, comment ça va? Quoi d'un? On va répondre un petit peu. Non, on va répondre. Les pauvres avancent, guêpes. Bon, allez, allons manger, alors. Allez, bon appétit, tout le monde. Bon appétit, hein. Je vais voir Toto. Allez, va voir. Le carré poisson, comment il est? Je ne connais pas, mais il doit être bon, hein. En plus, c'est où la fée? Hein? Il doit être bon, hein. Il doit être bon. Point vendredi midi, il est bon. Il est bon, là. Ok, bon, ben nous... Non, là, c'est le canal austral, nous, hein. Ah, bon. Laisse-le dans nous pour manger. Ah, aussi, là. Il vaut mieux, il arrête pas. Allez, nous en va. À bientôt. Allez, à plus.